Bon, donc voilà, on assiste à un règlement de compte en fait entre les deux entités qui sont dans la tête de cette personne. Ouais, elle est bipolaire, donc elle est en train de faire un dédoublement de personnalité. Elle est en train de faire, elle le fait depuis longtemps. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est de savoir, est-ce qu'à la base, on peut considérer qu'elle est toréador? Parce que là, il semblerait que les deux personnes soient quand même un peu malcaviens, quoi. Elles sont folles, quand même. Et pas qu'un peu. Donc, ouais. Une question à se poser. Enfin, bon. On n'est pas sorti. Hop. Bon, on verra bien. Alors maintenant, le but est de savoir c'est comment on va gérer cette histoire, parce que c'est en train de devenir quand même assez particulier. Je comprends pas trop. Ok, donc c'est vraiment... ça devient vraiment n'importe quoi, là. Du reproche familial. C'est hyper divertissant. J'ai horreur de ça. Ok. Ouais, donc j'ai un choix à faire. Et je sais pas quelles conséquences ça peut avoir. Est-ce que je vais me retrouver avec les deux sur le dos, ou est-ce que je vais me retrouver qu'avec... Ou alors les deux vont se ranger à mon... Je sais pas, enfin c'est assez bizarre. Je vois pas vraiment comment ça peut se terminer tout ça. Ouais, alors là, ça devient vraiment mauvais de chez mauvais, en fait. À mon avis, je crois qu'on est en train de... On est en train d'assister à la fin de... d'une fratrie. Remember, father loved me. I was a good girl. I always did what I was told. You always hated that he loved me. You disobeyed him. You brought him home when he wasn't there. You were an awful daughter to him. Maintenant, il mêle le père, parce que évidemment les deux sœurs s'étaient déjà passées. Non mais t'es sérieux? Ça va devenir ingérable là, et leurs histoires de famille. Puis en plus c'est long. Ok. Ah ouais, quand même. Bah, comme si c'était pas suffisant d'avoir deux sœurs bipolaires. Enfin, deux sœurs. Une sœur, enfin, une fille bipolaire avec dédoublement de la personnalité. Il faut en plus qu'elle soit parricide. Parricide, ça veut dire qu'elle a tué son père. Ok. D'accord. Il y a trois... Alors... I should turn this on you next, but I won't. Without Jeanette's assistance. Tongue, you, you're no threat. I'll call off the feud if that will get you out of my city.
Ok. Alors là, j'ai pas tout compris. D'accord, donc j'ai aidé. Et c'est la mauvaise sœur en fait qui reste. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais absolument pas à ça, mais bon, tant mieux. Quelque part, c'est celle qui avait l'air le plus équilibrée. Vous inquiétez pas, ça, je vais pas m'en vanter. Non mais t'es sérieuse? Ok. Enfin pour la ville c'est peut-être pas plus mal. Je sais pas. J'avoue que là je suis un peu perturbé le fait de... Parce qu'en gros j'aurais préféré garder l'autre. Mais je me retrouve avec elle. Et est-ce qu'il y avait un moyen de garder les deux? Surtout ça moi qui me... Parce que les deux personnalités étaient intéressantes. C'est dommage. Je reste sur un... Enfin ça me fait une drôle d'impression là. L'impression d'avoir pris un coup sur la tête. Oh c'est bizarre quand même. Sérieusement? Je suis en train de me demander si j'aurais pas pu garder les deux. Ouais, je sais pas. À la rigueur, c'était peut-être le fait de prendre l'arme qui aurait fait que c'est moi qui me serais retrouvé avec une balle. Mais ça aurait peut-être calmé les deux sœurs. Ou alors, à la rigueur, elle m'aurait vu comme un... comme une menace et là j'aurais dû me battre contre les deux. Enfin je sais pas, je vois même pas comment j'aurais pu me battre contre les deux. Enfin il y en aurait eu, ouais, enfin elle me serait sauté tous les deux à la figure quoi. Je sais pas, je comprends pas trop le... C'est... ouais, c'est troublant. À la rigueur ce serait intéressant de leur jouer avec les deux autres options pour dire de voir un peu comment ça se termine. Mais bon, ah voilà, enfin on a trouvé notre... Eh ben dis donc, depuis le temps que je te cherche, toi. On va quand même faire le tour avant de... d'aller le voir. Mais ouais. Pas trop d'action sur ce... Wow, un Nosferatu. Ah ouais, puis pas un petit Nosferatu. T'as pas l'impression qu'il te manque une oreille? Ça fait un peu Elephant Man. Ok. Ok. The Sabbat. Jeez, you are green. It's like this. We're all monsters, like it or not. I'm not gonna say the Sabbat are the evil. D'accord, là donc il va nous expliquer un peu les différentes façons de d'entrevoir la non-vie. They refuse to hide it and go out of their way to show it. They're also brainless and reckless. En fait, il y a trois factions. Il y a les anarches, la mascarade et le sabbat. La mascarade a fait le choix de vivre dans l'ombre et donc de se cacher parmi les humains. Pas parce qu'elle en avait peur, mais parce qu'elle préfère manipuler de l'intérieur. Elle a vu ce qui s'était passé pendant l'Inquisition et que les humains pouvaient être une menace aussi et faire de sacrés dégâts. Donc de ce fait-là, elle a fait le choix de se fondre dans la société et de tirer un peu les fils. Le sabbat, c'est carrément l'inverse. C'est-à-dire que
On part du principe que le vampire est un être supérieur à la race humaine et qu'en gros il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Le problème, c'est que très très vite, ils se font débusquer et ils se prennent les foudres en fait des humains, notamment de certains humains qui s'appellent les hunters, les chasseurs, qui règlent leur compte avec ces vampires. Et entre deux, vous avez les anarques. Les anarques, c'est un peu ceux qui veulent, sans vouloir vraiment de mal à la race humaine, veulent vivre quand même à leur façon. C'est souvent des jeunes vampires en fait. Un peu des adolescents vampiriques. Et qui eux veulent vivre librement selon leurs préceptes, sans trop s'embêter. Et en se tenant loin de la mascarade, qu'ils considèrent comme des jeux de vieux vampires en fait qui les utilisent. Mais bon, même comme ça, ils sont utilisés quand même. La mascarade est un grand échiquier entre différents vampires, notamment des vieux vampires comme des Mathusalem ou des antédiluviens. Bon, là donc on est parti, je ne sais plus quoi faire. Hop, 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 hop. Ici, il est toujours en train d'agoniser, lui. Ah ouais. On peut lui parler. Ok, enfin, ça change rien, il y a toujours les mêmes options. Ici, on va essayer de sortir. De l'autre côté, peut-être. Là, je peux rentrer. Faut une carte. Et là, il n'y a rien d'autre. Non, bah non. Ok. Est-ce qu'on va s'en sortir à un moment ou à un autre? Le monsieur te demande. Ok. On va aller voir là-bas aussi. Ah, quoi que. Attendez. Parce que j'ai peur de passer à une autre ville et d'avoir oublié certaines choses. Alors ici, on peut toujours pas. Ça me fait penser. Ouais. On est peut-être allé voir là. Hop, par ici, rien. Là, je peux rentrer. On va aller faire un petit tour à l'hôpital. Parce qu'il y a peut-être des choses que j'ai pas gérées justement au niveau de l'hôpital. Qui sont peut-être intéressants qu'on voit. Donc là, ici, hop. Ça permet d'augmenter sa capacité de crochetage. Ouais, évidemment, c'est un échec. On va revenir un petit peu plus tard. Alors, hop. Un pentagramme inversé sur une boisson. Ça donne envie. Hop, allez, on essaye. À force, ça devrait passer. Non plus. Et là, c'est. Ah ouais, c'est le monsieur. Tu me donnes du sang? Your donation could save a life, you know. Oh, but isn't it a little late for altruism? I don't think you're here to give blood at all. I don't buy it, Jack. I bet you're here to take blood. Am I right? They all come in here with that same nonchalant look. With that who D'accord. As if they were so clever. Do you think you're the first vampire to try and come in here to buy blood? Honestly. Ok, carrément lui. Le problème c'est qu'il faut que je fasse gaffe parce que je risque de perdre encore un masque en mascarade. If you don't want any, deny it. Deny that you wouldn't put the lukewarm bag to your lips and slurp out the copper-smelling sauce like a swarm of mosquitoes on a hemophiliac's back. Est-ce que je continue à nier ou est-ce que... Bon, allez, on va tenter.